Derrière ? Non mais attendez, c'est une blague, on va pas s'installer là. On est obligé. C'est répugnant. Il doit y avoir un truc mort ici. On peut pas mourir d'un déménagement ? Oh, vous exagérez, arrêtez un peu, personne n'est mort. À part cette souris ! Génial, j'adore. Je vais être malade. C'est un cimetière, on va tous y rester, on va attraper la rage. Descends de ma tête. Pendant tout le voyage, papa nous a dit que notre nouvelle chambre était super, alors jetez un coup d'œil. C'est parti, Bokiki. Oui. Non. À mon avis, elle s'est suicidée, la souris. Ouh là, je suis énervé là. On vient de prendre perpète. Oh, il peut pas habiter. Et puis ça pue. Pas du tout là. Je suis sûre que nos rideaux à papillons vont arranger ça. J'ai lu quelque part qu'une chambre vide était un don du ciel. Et où t'as lu ça, toi? Peu importe, je l'ai lu, donc c'est vrai. On va mettre le lit là-bas et le bureau de ce côté. La lampe de hockey ici, c'est top. Une chaise. Collection de trophées. Ça sur le mur. Des étoiles. On est bien là. Le camion de déménagement doit être arrivé. Très bien. Oui, au revoir. C'est pas croyable. Le camion de déménagement n'arrivera que mardi. Tu plaisantes? Ah non. Le camion est perdu. Normal, je suis sûr. Il devait arriver hier. Oui, je sais, c'est ce qu'il m'avait promis. Papa et maman sont stressés. Ils ont paumé ce camion. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ils disputent en fait. J'ai une super idée. Est-ce que tu as lu le contrat? Andersen tente sa chance. Elle passe à l'attaque. Ah non, pas question. Elle se prépare à marquer. Attention, j'arrive. Grand-mère. Oh, grand-mère. Oh, elle relève ses cheveux. Elle va se lâcher. Désolé, il faut que je réponde. Allô? Quoi? Mais... C'est une blague. Ok, attendez-moi, j'arrive. L'investisseur devait venir jeudi, pas aujourd'hui. Oh. Il faut que j'y aille. On se débrouillera, t'inquiète. T'es la meilleure, merci chérie. Au revoir mon cœur. Papa nous abandonne? Oh, ça veut dire qu'il nous aime plus, c'est trop triste. Ça nous fera du bien de pleurer. Quoi? Joa, qu'est-ce que tu fais? Rien, attendez une seconde. Je viens de m'apercevoir que Riley n'a pas déjà...